Salut tout le monde, c'est Stachy41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite session tranquille. Il fait beau, faut en profiter, c'est pas trop gras. Alors sur votre droite, vous avez un Obao Hyper SST-E avec moteur d'origine, variateur d'origine. Là, on roule en 4S. Vraiment pas beaucoup de modifications sur le véhicule, hein. Il reste très simple, très d'origine, avec une petite carrosserie et un cassable du Team Magic E6 entre guillemets. Voilà, et à côté, c'est pour toi Patapouf, regarde le 4x4 que tu m'as envoyé. Voilà ce que j'en ai fait, un petit truggy, voire un muggy. Et je suis en 4S avec un combo connect moteur variateur, donc 100 ampères. Le moteur, c'est à 2200 je crois, ou un peu plus, je sais plus. Servo 25 kg connect. On vient de faire un pack là, et du coup on va repartir sur un deuxième pack, donc c'est pour ça elles sont pas propres. Et je voulais en profiter pour vous montrer l'évolution du Kyosho avec sa petite carrosserie. Attends, on voit avec sa petite carrosserie d'autres chargeurs modifiés pour qu'elle rentre dessus. Donc voilà, bon allez, je vous laisse regarder la session. Allez, c'est parti pour visionnage sur le Kyosho MP, le Kyosho de RC Patapouf qui m'a envoyé, le Cruiser. Là, je suis en Connect 4S, mais avec un pignon 19. Et les portes fusées, je les ai tous changées pour les mettre en aluminium parce que j'ai cassé deux portes fusées arrière. Donc là, les quatre sont en aluminium. Ce devant était déjà en aluminium. Mais c'était un pack complet, donc il y avait l'avant et l'arrière plus les roulements, donc tous les roulements sont neufs. Et voilà. Bon, après en 4S avec un pignon de 19, là on vient de faire un pack, ça a chauffé un bout. Donc peut-être un peu trop dedans. Bon, allez les gars, je vous laisse visionner. Allez, c'est parti.
tiens, moi aussi j'ai perdu une roue. On voit pas, mais... Hop là. Allez, petite batterie, les gars! À plus!